Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve sur Battlefield 1 aujourd'hui, on va parler des armes oubliées avec le modèle 10 en version balle, donc personne ne la joue, donc on va voir si elle est... Oula, on s'en va. On va voir si justement elle est efficace et si on est sur Forêt d'Argonne en conquête, bien sûr, du classique, mais c'est vrai que c'est du classique quand on joue d'habitude avec le modèle 10A en version chasseur. Donc là, le modèle balle, c'est vrai qu'on voit très peu au final. On voit très peu, mais il a quand même... Il est moyen, on va dire, par rapport à ce qu'on avait connu pour ceux qui connaissent... Ah, un kill, tiens. Sur Battlefield 4. Vous voyez, il fait combien de dégâts? Ouais, il fait dans les 80. Mais je pense qu'il faut essayer de viser la tête, mais c'est très dur. C'est pas forcément évident. Donc, on jette des grenades, comme d'habitude. On va faire du kill gratuit. Par contre, là, ça pue. On s'en va. Ouais, donc là, sa particularité fait pas tant de dégâts que ça. Mais il reste quand même... assez efficace, donc ça peut être une difficulté, mais faut pas jouer non plus tout le temps avec la même. Moi j'aime bien personnellement, attends je mets le masque à gaz, jouer avec un peu toutes les armes dans un jeu. C'est vrai qu'il y en a qui sont nuls, donc on verra plus tard dans d'autres vidéos, mais il y en a qui sont vraiment nuls, qu'on va complètement découvrir. Oh, 94 points de dégâts. C'est dommage que de genre jusqu'à 20 mètres il OS pas dans le torse, ça aurait été vraiment bien. Coucou. Parce qu'il faisait là tout seul. Il y en a un autre. Voilà. Il y en a d'autres ici. Hein. Oh, Il me sprintait dessus. Oh, je l'ai touché lui. 93, c'est vraiment rageant. Je lui mets un oscope comme ça là. Bon, c'est bon, j'ai eu le kill, mais bon. C'est quand même beau ça. Et c'est beau et c'est même pas récompensé. Oh, headshot. Ouais, 93, ouais, c'est pas terrible. Allez, viens. Je vais peut-être recharger avant de faire mon malin. Oh, il a baqué. Attends, il y avait plein d'alliés ici à côté de moi, c'est abusé. Allez. À dégager. Merde. Putain, la vache. Merde. Grenade gaz. Mais il y en a un qui a fait le tour, là. Voilà. Non, mais oh. Oh. Oh, le triple kill. Oh, ça fait plaisir. Surtout avec ce genre d'arme, ça fait plaisir. Oh là là. Oh, le noscope. Oh, ça passe bien. Au final, il y a pas mal d'armes sur BF1 qu'on peut jouer facilement en noscope. Regarde, je l'ai touché, là. Et voilà. Double noscope. Après, je sais pas, à faire 100% de précision avec ce genre d'arme, ça doit être chaud quand même. Bon, ils sont où? Merde, je me fais cramer. Voilà, j'en profite. Hein. On est bien couché. Je vais peut-être retirer mon masque. Bon, bah on domine vachement. Hein. Merde. Oh! Juste, je me... Oh la vache. Non. Oh, j'ai mis headshot. Bref, je vais vous finir la grenade. Est-ce que vous êtes têtu? Ouh, ils sont arrivés à plusieurs, les saligots. Alors là, je mets le masque à gaz direct. On sait jamais, je sais pas, des fois, on sait pas trop si c'est notre gaz ou... Et au final, ouais, je suis content parce qu'au jugé, il passe bien. Bon, on est en train de gagner, là. On est en train de gagner. Ouais, j'aime bien ce modèle 10, ouais. Franchement, cette version-là, ça change, c'est moins efficace, hein. Oh, attends, l'autre, il est pas mort, l'autre. Je vais mettre le masque à gaz, il s'enfuit. Ils sont sur le pont, là. Oh, attends, là-bas. Il me chauffe, lui. Je vais peut-être retirer le masque à gaz, il me chauffe, lui, là-bas. Il y en avait un autre en bas, là. Dire que j'ai plus de mal à viser avec celui-ci. Bon bah voilà, petite partie très courte mais sympathique. Modèle 10, version balle, attention ici c'est pas version chasseur, version balle, donc c'est très difficile à jouer. Ça n'OS pas, au final ça n'OS pas, hormis dans la tête. Mais il est quand même agréable à jouer, même si c'est vraiment pas le plus efficace. Il reste agréable, on va quand même voir le tableau des scores, même si je pense pas que ce soit terrible. Ok, c'est parti, 28-9. Donc voilà, une petite partie sympathique, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.